Page 20 du cahier d'exercice. Ici, 20. Donc c'est sur le deuxième son de cette semaine, le son J, qui s'écrit avec J, comme ça, avec les lettres soit G toutes seules, soit G et E ensemble. Vous allez commencer d'abord par écrire la date tout en haut de la page 20. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, mais ici, là, sur cette grosse ligne noire support. Ça veut dire que elle va supporter, elle va être en dessous de toutes vos lettres. Donc, vendredi, VENDREDI, ici. Ensuite, 30. Vendredi, 30. Avril. Avril. Avril 2021. Ici, dans le premier exercice, il faut entourer tous les G ou GE qui chantent J que tu vois dans les deux lignes de mots ici. Vous avez deux lignes sur lesquelles vous avez des mots. Première ligne, deuxième ligne. Entourez tous les G qui chantent J et tous les GE ensemble qui font J. Et puis, pareil dans ces deux phrases. Ensuite, vous avez le tracé de la lettre G qui fait J ici. Donc, regardez. Hop, on tourne comme s'il s'agissait d'un A sur la ligne support et après on descend. On va jusqu'à la deuxième interligne en dessous. Et on remonte. Pareil pour le je. Je fais le G, je descends à partir de la ligne support jusqu'à la deuxième interligne. Je vais zoomer comme ça, vous voyez mieux. Hop, jusqu'à la deuxième interligne en dessous de la ligne support, et je remonte. Et je fais mon petit E entre la première interligne et la ligne support, je. Ensuite, quand vous avez écrit le G et le GE en attaché, troisième exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Entoure la phrase qui correspond au dessin. Vous avez un dessin ici. Avec deux phrases, il faut entourer une des deux phrases. Pareil ici. Vous avez un deuxième dessin et il faut entourer une des deux phrases. Et une fois que vous avez entouré une des deux phrases pour ce premier dessin et une des deux phrases pour ce deuxième dessin, il faut la réécrire ici, avec la majuscule, en attaché, en partant de la gauche, et bien sur la ligne support. Il faut que ça suive toujours cette ligne support, parce qu'elle supporte vos lettres. Donc, on va lire les deux premières phrases. Comme ça, vous saurez laquelle il faut entourer. Ludo est au cinéma avec sa mamie. Là, sur ce dessin. Ou Ludo est monté sur le plongeoir. Toujours sur ce dessin. Pareil, sur le dessin en dessous. La girafe se promène dans la savane. Ou la girafe mange des feuilles d'acacia. Ok. Quatrième et dernier exercice, écris un texte pour décrire l'image. Alors, regardez bien ce dessin, observez-le bien. N'oubliez pas que nous sommes sur le son J qui s'écrit avec la lettre G. Donc, il faut que apparaisse un mot qui illustre ce dessin, mais dans lequel il y a le son J qui s'écrit avec la lettre G. Et ici, vous avez la plage. Donc on peut écrire Ludo est à la plage. Ludo est à la plage. Point. Il a chaud sur sa serviette. Ludo est à la plage. Vous avez vu, j'ai fait la liaison. Est à la plage. Donc le S et E-S-T.
Le dos est à la plage. Il a chaud sur sa serviette. Voilà pour cette page 20.